Dans ce calcul de dérivation, nous allons d'abord transformer cette racine cubique en puissance à exposant rationnel. Ceci, c'est bien 1 moins 3x exposant 4, exposant 2 tiers. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que maintenant, nous reconnaissons la formule f exposant m prime. Donc, nous allons appliquer cette formule, mais attention, correctement, nous n'oublions pas le fois f prime là derrière. Il est souvent oublié. Don't forget it, please. Donc ici, ça donne f exposant m prime, c'est égal à m fois f exposant m moins 1 fois f prime. 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers, et cette dérivée, ça donne moins 12x au cube, donc comme ceci. Cette puissance à exposant négatif, nous allons la mettre en bas comme dénominateur, et ainsi l'exposant changera de signe. Donc nous obtenons ainsi ceci. Et maintenant, le 12 divisé par 3, ça fait 4. Ce 4 fois ce 2, ça fait 8. Donc le numérateur, ça sera moins 8x au cube. Et le dénominateur, c'est la racine cubique de 1 moins 3x exposant 4. Donc, voici cette réponse. Nous n'allons pas mettre cette racine cubique au numérateur parce que, après, on devra faire un tableau de signes de cette dérivée. Et alors, c'est plus facile de laisser la réponse sous cette forme-là. Et terminé!